Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous ne savons pas qui est la mère de Loki, mais en faisant des recherches, j'ai une théorie à vous proposer. Une théorie extrêmement plausible que j'aime beaucoup. Selon la théorie en question, la mère de Loki serait Ella. Oui les amis, vous avez bien entendu. Et à mon avis, vous n'avez pas l'air convaincu. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et franchement, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Enfin bon, ne perdons pas un instant et rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, Loki était considéré comme petit pour un bébé géant des glaces. Son père est un roi, sa lignée devrait être forte, non ? Pourquoi est-il petit ? Tient-il ça de sa mère ? Très possible. De plus, la forme dans laquelle Odin transforme Loki ressemble fortement à Ella. Cela pourrait être Odin essayant simplement de remplacer sa fille capricieuse. Ou cela signifie-t-il qu'Odin a simplement supprimé les qualités de géant des glaces de Loki pour montrer son côté asgardien qui ressemble à Ella du coup. Nous connaissons l'histoire d'Ella. Elle a dit elle-même qu'elle et Odin allaient s'emparer des 9 royaumes, révélant qu'elle avait soif de pouvoir. Après tout, elle a été élevée pour être ainsi. Puis tout d'un coup, Odin, honteux, a voulu tout arrêter. Il voulait être un bon roi et opter pour la paix. Ella n'a pas pu accepter ça, bien sûr. Au lieu d'être bannie d'emblée, je pense qu'Ella a essayé d'élaborer son propre plan pour continuer le règne de pouvoir avec ou sans Odin. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré Lofi. Lofi qui en avait marre d'Odin et d'Asgard en général. Quand Ella, la fille d'Odin, est venue à sa rencontre, il était intéressé à l'entendre. Je pense qu'Ella lui a proposé une alliance. Ensemble, Ella et Lofi pourraient ramener Jotunheim à sa gloire et éventuellement conquérir les autres royaumes. Odin n'en savait rien. Lofi a conclu un faux traité de paix avec Odin, comme le dit Ella dans son histoire. Pendant ce temps, ils sont très probablement tombés amoureux et Ella est tombée enceinte de Loki. Et de toute évidence, elle ne pouvait cacher cela à personne. Du coup, Ella rejoint le côté de Lofi à temps plein et a finalement trahi Odin. Je pense que ce dernier a essayé de l'arrêter, ce qui a conduit à une bataille. C'est la bataille au cours de laquelle Ella a tué de nombreux soldats asgardiens. Elle s'en est tirée et s'est enfuie à Jotunheim. Et elle a eu Loki à un moment donné. Lofi et Ella ont décidé de laisser Loki sur Jotunheim alors qu'eux se rendaient à Midgard, alias la Terre, Tonsberg en Norvège pour être exact. Ils allaient commencer là leur conquête, comme on le voit au début de Thor 1. Au cours de cette bataille, Odin n'a pas seulement vaincu Jotunheim, il a aussi banni Ella. Je pense qu'il a banni Ella à Tonsberg parce que c'est le même endroit où Ella est revenue. C'est là qu'Odin est allé mourir, vers un endroit où il pourrait penser à son passé. Il se sentait lié à Tonsberg car c'est là qu'il a perdu sa fille. Quoi qu'il en soit, cela remonte à l'époque où Loki était bébé. Odin savait qu'Ella était enceinte. Il savait qu'elle faisait équipe avec les géants des glaces. Il savait que l'enfant d'Ella était à Jotunheim. En tant que grand-père de Loki, il le voulait. Ella lui manquait.
et Loki était la chose la plus proche d'elle. Gardez bien à l'esprit que Loki était petit pour un bébé géant des glaces, parce qu'il est à moitié Asgardien. Il a les traits Asgardiens d'Ella, il est puissant grâce à Ella, et en plus il se ressemble tellement. Franchement, regardez. Sinon, pourquoi Odin, quelqu'un qui avait du sang Jotun jusqu'au genou, aurait-il recueilli un bébé comme ça au hasard? Le cercueil suffisait amplement, non? C'est pourquoi lorsque Loki a confronté Odin dans le premier film, ce dernier était si bouleversé. Non seulement son fils a découvert qu'il avait été adopté, mais cette confrontation lui a tellement rappelé Ella. Une fille dont personne n'a parlé depuis plus de 1000 ans. Cela a dû être dur pour le vieux roi. Il n'a donné à Loki que la moitié de la vérité. Dans une scène supprimée dans le script de Thor 1, il y a un élément perturbant, voyez-vous. Après que Loki ait découvert ses origines, Odin lui dit ceci. « Tu es mon fils, mon sang. » Je comprends sans mal pourquoi il l'appelle son fils. Il l'a élevé après tout. Mais pourquoi mon sang? Il l'a juste adopté. Il ne devrait avoir aucun lien de sang, techniquement, n'est-ce pas? Loki est le fils de Lofi. Il a son sang à lui, pas celui d'Odin. Mais si Loki est le fils d'Ella, cela s'expliquerait. Car eux et Odin partagent tous le même sang. La vérité dont Odin voulait protéger Loki était Ella. Pas Jotun M, pas Lofi, Ella. Comment Odin aurait pu parler d'Ella à Loki alors que personne ne se souvenait d'elle, ni même la connaissait? C'était le plus grand secret d'Odin. Puis bien sûr, avant qu'Odin ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il tomba dans le sommeil d'Odin. Maintenant, parlons de Lofi. Dans cette scène, Lofi dit à Thor, « Tu ne sais pas ce que tes actions vont déclencher. Moi, je le sais. » Et en regardant son expression, il a l'air triste, non? Comme si il repensait à quelque chose qui l'a blessé. Selon Odin, Lofi a abandonné Loki et l'a laissé mourir. Mais si l'on se focalise sur l'expression de Lofi, on a l'impression de voir quelqu'un qui a perdu quelque chose qui lui était cher. Son peuple, le cercueil, non. Ce genre d'expression, ça ressemble à celle d'un père qui a été séparé de son enfant. Lofi a non seulement perdu Ella, mais il a aussi perdu Loki. En y repensant, j'ai pas l'impression que Lofi a abandonné Loki. C'est mon impression à moi. De plus, Lofi dit ceci à propos d'Odin. Ton père est un meurtrier et un voleur. Oui, Odin a volé le cercueil, mais il a également volé, kidnappé Loki. La scène entière dans laquelle Loki propose un marché à Lofi, il lui a rappelé Ella. Il y a plus de 1000 ans, lorsqu'elle lui a proposé une alliance. C'est pour ça qu'il s'y intéresse autant. Il pensait peut-être que cet accord les rapprocherait d'une manière ou d'une autre. De plus, c'était une opportunité unique qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Et en plus, il obtiendrait également le cercueil, donc au final, c'était gagnant-gagnant. Alors peut-être, je dis bien peut-être que je me plante sur cette partie, mais bon, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, revenons à Ella. Dans cette scène dans Thor Ragnarok, Loki lance un poignard en direction d'Ella. Ella l'attrape, mais au lieu de le renvoyer à Loki pour le tuer, elle l'envoie sur Thor. Elle n'a aucun intérêt à battre ou tuer Loki, parce qu'il s'agit de son fils.
Au lieu de ça, elle s'en prend directement à Thor, son frère, par qui elle a été remplacée. Plus tard, quand Hela était dans le coffre-fort d'Odin, elle a vu le cercueil des géants des glaces et l'a qualifié de faible. Évidemment, elle en a l'expérience. Elle a fait confiance à Jotunheim et a quand même perdu contre Odin. C'est pourquoi elle l'a qualifié de faible. D'ailleurs, Loki et Hela partagent également un intérêt commun, le Tesseract. Dans la mythologie nordique, Loki est le père d'Hela, ou elle, peu importe. Mais si cette théorie est vraie, Thor serait l'oncle de Loki et Hela sa mère. Les rôles sont donc inversés par rapport à la mythologie. Jolie petite famille, n'est-ce pas? Mais bon, ce n'est pas tout. Toujours dans la mythologie nordique, Odin a sacrifié son œil pour acquérir la sagesse. Mais cela n'a jamais été mentionné dans les comics. En fait, il a été démontré qu'il avait perdu son œil au cours de la même bataille, au cours de laquelle il a, je crois, banni Hela. La bataille qui l'a amené à prendre Loki. Et si Hela était celle qui avait rendu Odin borgne. Quand Thor se présente à Hela comme le fils d'Odin, elle lui dit « Vraiment, tu ne lui ressembles pas. » Mais plus tard dans le film, elle rend Thor borgne et elle lui dit « Voilà, maintenant on dirait papa. » Donc, si Hela est celle qui a rendu Odin borgne, cela la place sur les lieux de la bataille Asgard contre Jotunheim. De plus, quand Hela était aux côtés d'Odin, ce dernier avait ses deux yeux. Odin a perdu son œil lorsqu'il a accueilli Loki. Et avant ça, Hela a été bannie, vraisemblablement après qu'elle lui ait pris son œil. Comment Hela, qui a été bannie depuis plus de 1000 ans, saurait-elle qu'Odin avait perdu son œil si elle n'était pas là pour en être témoin? Tout fait sens, les amis. Pour moi, cette théorie est plus que crédible. J'ignore si l'on aura un jour des informations sur la mère de Loki ou si l'on apprend qui elle est, mais quoi qu'il en soit, je pense que la piste est là et à prendre au sérieux. Si vous avez une autre idée, évidemment, je suis preneuse. Si vous avez d'autres éléments qui soutiennent cette théorie, je le suis aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette théorie de base ne vient pas de moi, je tiens à le dire. J'ai fait des recherches pour être sûre qu'elle était cohérente, pour rajouter certains éléments même. Et pour le coup, elle l'est totalement. Il y a beaucoup de théories qui ont des lacunes. Mais en soi, j'en ai pas réellement trouvé à celle-ci. On va pas prendre en compte la série What If, notamment la saison 1, où on voit ce que Loki serait devenu si lui et Thor n'avaient pas grandi ensemble, si Odin et Loki étaient amis. Mais bon, voilà, ça c'est pas en prendre en compte, et encore moins l'épisode de la saison 2 avec Hela. Un très bon épisode d'ailleurs. Et on voit très bien que le problème, c'est Odin. Si Odin avait été un meilleur père que ça, ça aurait été une famille peut-être un peu plus joyeuse. Quoi qu'il en soit, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, à me laisser un commentaire avec vos retours concernant cette théorie. Si vous avez des éléments en plus, si vous avez une autre théorie concernant la mère de Loki, si ce n'est pas Hela, bien sûr. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc, en plus d'un commentaire, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye !